capisco pieno e mi dicono la mondi non sia de Dieu. Tu recevras de la part de l'Éternel Dieu des armées des révélations et l'onction nécessaire. Ah, là-bas, au beau salle de là-bas. Pour impacter cette nation française dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier élevant la voix sur la présence de l'Éternel Dieu? Une communication dans le champ, on se pense au nom.
Oh,
sont là. Yeah.
héritage, on veut faire de toi une prêtresse dans leur nôtre démoniaque. Je t'enlève ce vêtement. Et je sanctifie son âme. Je sanctifie ton corps par le sang de l'agneau et par le feu de Dieu. Et maintenant tu es recouverte d'un nouveau vêtement de sacrificateur pour servir et témoigner à la gloire de Jésus-Christ. Je déclare que tes yeux vous voulez utiliser la mort de l'impulsivité, la mort de la colère, la mort de la pauvreté. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer pour le nom du Seigneur? Il fait ses choses. Amen. Amen.
comme Jésus. À lui soit la gloire, gloire soit l'agneau de Dieu, à lui la reconnaissance, à lui l'adoration, à lui les acclamations. C'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Amen. Amen. Nous célébrons le roi de gloire, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'il soit éternellement élevé et glorifié. À lui soit la gloire. Amen. Et des gens qui ont reçu des visions, par exemple ce soir, des délivrances, des visitations, des confirmations, je dois témoigner ce que Dieu a fait, même le plus hier, pas seulement aujourd'hui, tu veux témoigner. Amen. Alléluia. Alléluia, acclamons pour la sœur, pour la joie. Le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. J'étais caractérielle, méchante, très violente, très agressive, très en colère. Et là, j'ai perdu ma père. Et je suis revenue à mon travail, plein de haine, plein de colère contre le Seigneur. Et j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit que le Seigneur dit il va parler à ma fille. J'ai dit quelle fille? Et il a changé mon caractère. Amen. Amen. Il a changé ma vie. Ce que j'étais dans le passé, je ne le suis plus. Amen. Thank you.
Jésus-Christ, après une épreuve que vous avez fait passer assez difficile, et j'ai pu reconnaître qu'il était le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Mon mari, en esprit, dirigeait, et j'ai grandi avec lui. Et depuis mon baptême, je voulais recevoir le baptême du feu, en fait, parler la langue du ciel. J'ai beaucoup prié pour ça, j'ai beaucoup prié, mon pasteur a prié pour moi, et dans les églises, pareil, j'ai prié et je ne recevais rien. Je ne recevais pas ce baptême. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais qui ne va pas, tu vois. Nous avons été quatre à être baptisés, il y a une d'entre elles qui a reçu son baptême assez rapidement et je me suis dit, moi, peut-être quelque chose que je fais qui fait que je ne reçois pas ce baptême. J'ai continué jusqu'au moment où j'ai baissé les bras, je me suis dit, bon, ben, je ne reçois pas ce baptême. Et voilà, mais je désirais vraiment l'avoir et je ne savais pas comment l'avoir. Et aujourd'hui, effectivement, quand l'onction et le prophète est venu de ce côté, il nous a donné cette onction, j'ai reçu ce baptême. Je remercie le Seigneur pour ce serviteur. En fait, j'étais couché au sol et j'ai pas compris. Ma langue a commencé à commencer. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais aller à l'essentiel. Ça fait plus de 3 ans que le Seigneur m'a parlé de mon appel et j'ai prié pour que le Seigneur me mette en contact avec des personnes qui sont attachées à mon appel, qui sont des déclencheurs de destinée. Ça a été le cas avec Loïc, Dieu a passé par Loïc et le prophète Séraphin. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé hier au moment de la consécration. Avant que le prophète Élisée commence à parler de la consécration, j'entends le Seigneur qui me dit, attention, ça vient, Renata, ça vient, attention, prépare-toi, ça vient, Renata, ça vient, prépare-toi. Et plus l'onction du Seigneur, la présence de Dieu s'accentuait pour le moment glorieux qu'on a vécu hier, plus c'était encore pressant, pressant. À un moment, le Seigneur me montre qu'au-dessus, il y a une goutte qui s'est ouverte, et c'était le pan de la robe de Jésus, le pan de son manteau qui s'est étalé. Et voilà, il y avait des anges là, au moment où ces deux hommes étaient consacrés par le Seigneur. Et voilà, j'ai dit au Seigneur à ce moment-là, confirme mon appel. Hier soir, j'ai été dormir avec cette pensée. Seigneur, confirme mon appel. Je ne peux pas m'appeler par moi-même. Je ne peux pas me présenter par moi-même, mais confirme. Et aujourd'hui, je l'ai vécu. Au travers de ce pour le Seigneur, que je ne dors pas parce que je suis devant son trône pour le réveil justement pour ces personnes-là. Et je bénis Dieu et je vous encourage justement à chercher cette riche intimité que celui qu'on peut avoir. Un homme de Dieu peut prêcher, mais si nous on ne cherche pas cette intimité, cette connexion avec le Saint-Esprit, on passe à côté de beaucoup de choses. Que le Seigneur soit élevé. Deux choses à vous dire. Donc, pendant les préparatifs donc, de la conférence, il y avait des chantres qui étaient en prière. Il y avait un jeûne. Donc, j'ai accompagné ma fille dans le jeûne vendredi. Et normalement, je devais aller à l'hôpital parce qu'il y avait une personne qui était en phase terminale de cancer et je devais aller la visiter après. Mais j'ai senti, quand je voulais sortir, que le Seigneur me disait non, papa, prie, rentre dans le programme de jeûne, ne sors pas. Donc je ne suis pas sortie. Et après, au moment où on était en train de prier, voici ce que le Seigneur me dit. On était en train de prier pour la France et on priait département par département. Et je demande à ma fille, il y a combien de départements en France? On ne savait pas. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous on ne savait pas. Donc on a commencé par prier par le département numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et c'est là que le Seigneur nous a dit, vous voulez le réveil en France, mais pour qu'il y ait ce réveil, il faut déjà connaître l'histoire de la France. Et ce jour-là, on s'est assis avec ma fille, on a ouvert notre livre d'histoire et on a commencé progressivement.
collectivement à prendre l'histoire de la France. On a vu comment c'était la Gaule, comment après il y a eu donc les Celtes qui sont rentrés, etc., qui ont établi leur civilisation. Après, on a vu comment c'est devenu une civilisation gallo-romaine, etc. Donc, c'était de l'apprentissage. Donc, j'apprenais et après, je le faisais réciter à elle. Tu as compris, etc. Donc, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on arrive en terrain. Il faut connaître le terrain. Et quand j'étais en train de prier ici, il m'a fait entrer maintenant dans l'histoire avec Napoléon. Qu'est-ce qui est arrivé avec Napoléon? Napoléon est parti en Russie. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il n'avait pas fait l'étude du terrain. Et pourquoi il a perdu la guerre? C'est parce qu'ils se sont retrouvés en plein hiver et l'armée était décimée. Donc, quand on veut le réveil, c'est sûr qu'il faut connaître vraiment le terrain. C'est ça que le Seigneur. Et deuxième chose, donc quand j'étais là aujourd'hui, tout à l'heure, le prophète Élisée a parlé des enfants de la télévision. Il y a quelques années déjà, j'avais vu une vision, il y avait une soeur qui avait une vision que je faisais une télévision pour les enfants. C'est vrai qu'au-delà de mon ministère de prédication, Dieu m'a donné enseigner les enfants. Donc j'enseigne les enfants. Et là, c'est vraiment le temps que Dieu me donne pour les enfants. Il m'a fait rentrer dans Walt Disney. Il m'a fait étudier qui était le personnage de Walt Disney. Il m'a fait voir qu'est-ce que c'était les dessins animés. Donc chaque dessin animé, quand le prophète a parlé de Ariel, tout ça Dieu m'a montré, la sirène des eaux. Donc c'est des choses qu'on ignore. Beaucoup de parents ne savent pas qui est Walt Disney. Mais c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est vraiment un sataniste qui emmène les enfants dans la sorcellerie. Donc on voit les enfants qui sont plongés à longueur de journée et qui regardent les messages qu'il y a à l'envers. Donc le diable est en train de faire entrer la sorcellerie dans l'esprit des enfants. Comme Dieu a suscité maintenant Walt Disney, le diable a suscité Walt Disney, Dieu maintenant m'a suscité pour les enfants. Et il me dit, c'est le temps maintenant d'enseigner les enfants. Amen. Donc quand le prophète Élisée a parlé de la télévision, j'ai dit, le Seigneur est Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, je suis le pasteur Gianni, de l'église Crével, fils de la Bocchia. Et j'ai eu plusieurs visions entre hier et aujourd'hui. Je vais juste en raconter quelques-unes. Ce matin, il y a eu une puissante visitation de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez vu, les hommes de Dieu étaient par terre, même mis par terre. Et ce qui s'est passé en esprit, j'étais devant le trône de Dieu. Mais je n'étais pas seul, vous étiez là. Vous étiez face contre terre. Et à un autre moment, la présence de Dieu était tellement puissante. Et il disait, le réveil, le réveil. Et ça m'a rappelé une vieille vidéo de réveil que j'avais regardée. Et les gens, les foules criaient. Il n'y avait pas forcément beaucoup de musique, mais les foules criaient. La conviction de péché était là, comme une sorte de porte-côte. Et là, l'esprit m'a ramené et m'a dit, écoute ce que t'en as. Je me suis dit, c'est ça le réveil. C'est ça le réveil. C'est ça. Et à un moment, c'est comme si le feu se promenait. Partout. Du feu. Et j'en viendrai à une dernière vision où il y avait la sœur Renata qui était là. Quand le prophète était passé pour lui dire le Seigneur t'a donné un ministère. Et à cet instant, j'ai vu Jésus debout en face d'elle. Et je voyais de l'huile couler sur sa tête. La confirmation est là. Ce jour, je ne rate pas une prière.
prière sur YouTube à partir de 19h. Je suis connectée du lundi au vendredi. Merci, prophète. Quand je vous entends parler sur YouTube, je me sens très bien. Amen. Et même si à mon mari que j'irai, je viendrai à Bruxelles. Venez vous voir parce que le jour où je suis venue ici, ça a changé ma vie. Amen. Je remercie le Seigneur. Le 13 février dernier, on a un frère dans l'église qui était malade, il avait un accident. Au fait, il partait pour le premier sur un vélo, il a cogné une balle de fer. Et depuis ce jour, ce jeune, quand il a envie de faire pipi, il ressent, mais le pipi ne vient pas. Au mois de novembre, pendant la veille de prière dans notre église, le pasteur a prié pour ce jeune homme et je sentais, l'esprit me disait, Francisca, prie pour lui, mais je n'ai pas eu le courage de prier pour ce jeune homme et je me suis sentie très mal. J'avais très honte devant Dieu. Je ne savais pas comment approcher le pasteur, lui dire que si je pouvais prier, parce que le pasteur avait déjà prié pour ce jeune homme. Et au mois de janvier, j'ai appris que ce jeune homme a été encore opéré. Au fait, il y avait un tuyau qui passait dans son truc. Et le pipi passait dans ce tuyau. Et voilà, il y a une poche qui recevait l'urine. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit non, ça c'est le moment que je dois me racheter. J'ai été le samedi 13 février à l'hôpital où le jeune était. Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas pu prier quand tu m'as parlé. Et voilà l'occasion que je présente. J'ai dit au jeune, aujourd'hui c'est ton terminus, que ce fil-là, ils vont te l'enlever. Et tu vas pisser normalement. Parce qu'il avait deux trucs. Il y avait la poche, quand ça remplissait, il vivait devant nous. Et il y avait un deuxième tuyau qui s'est dévissé à chaque fois. C'était le pipi froid et la poche était le pipi sale. Et pendant la prière, je demande toujours, je dis, si tu n'as pas la foi, c'est zéro. On peut prier pendant des jours, des mois, mais il faut avoir la foi et reconnaître qu'il n'y a que Dieu, le docteur des docteurs, il n'y a que lui seul qui peut te guérir. Et ce jour, j'ai prié. Je suis juste un canal, je ne suis rien. Je dis, si ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui guérit. Quelques jours après, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il n'était plus dans l'hôpital, qu'il était même sorti, il était dans Paris, qu'il cherchait du boulot et qu'il arrive à faire pipi normalement. Des bonnes connexions. L'ennemi peut nous décaler. Hier, l'Esprit de Dieu a mis les paroles de connaissance. Il a parlé de la stratégie de l'ennemi de déconnecter. Nous sommes comme de bois. Et quand il s'adonne, on se rassemble, on devient un feu et que ça peut devenir un volcan. Je me suis reconnue parce que l'ennemi a déjà agi comme ça plusieurs fois dans ma vie. Il a mis à me déconnecter des bonnes connexions. Mais le potier m'a toujours ramené parce que je suis de l'argile entre ses mains. Je suis une insécurité entre ses mains. Donc je lui dis gloire à Dieu. Donc Satan le sait, il ne peut jamais me décaler de son plan parfait. Parce que je suis ici par miracle. Que le Seigneur veut rendre grâce à Dieu pour ma soeur Sophie parce qu'elle a été connectée à ce programme de réveil, ce programme qui vient du Saint-Esprit. C'est pas souvent que je prononce le nom du Saint-Esprit parce que je m'étais rendu compte que je me trompe. Il y a des fois, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé et après je me rends compte que ce n'était pas le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je peux le dire, ce programme vient du Saint-Esprit. Parce que il est fidèle. Et je me suis retournée ici parce qu'il est
qui dirige ma vie. J'ai pris le prix de le pied à Tito. Il a touché son cœur, il a tout fait. Et je me suis retrouvée en catastrophe ici. C'est parce que c'était son rendez-vous. Et j'ai dit à ma soeur, on va créer ce programme-là. Je sais que je ne quitte pas de l'endroit à Paris en vain. Et c'était vrai. Donc je veux rendre grâce au Seigneur à Dieu pour son esprit qui est là et qui sonde les reins. Je ne savais pas que j'étais encore blessée. J'ai eu beaucoup de blessures, de déceptions. Injustement, alors que c'était juste parce que j'aime le Seigneur, que j'aime le Seigneur, je ne comprenais pas certaines choses dans ma vie. Et j'avais décidé de laisser tomber. Et je croyais que j'étais guérie des blessures de l'âme. Mais hier, le Saint-Esprit qui voit toutes choses, qui sonde les reins, a révélé à son serviteur qu'en fait, il y avait encore, je faisais partie vraiment de ceux-là qui étaient encore malades. Et j'ai reçu ma guérison parfaite hier. Merci. Oui, parce que je vais vous dire ça. Et si je me remercie de grâce à tous ces serviteurs, je ne les connais pas. Quand ils étaient à l'aumône, je n'étais pas au programme. J'avais dit à Dieu, Seigneur, si ces hommes sont de toi, il y aura un autre programme où je vais assister. Donc je n'ai pas paniqué parce que l'ennemi croyait qu'il m'avait déconnecté de ce programme. J'ai dit à Dieu, ben, si ce sont tes serviteurs, je sais que tu vas créer une autre chose pour moi. Et là, ils ont ces voici. Donc, je rends grâce à Dieu pour ces serviteurs, pour ce programme. Et je sais que, au nom de Jésus, j'accomplirai ce qu'il a prévu pour moi. Je sais. J'avais dit, Seigneur, je n'ai jamais eu de père spirituel. J'ai toujours été comme ça. Mais je lui ai dit, Père, je sais qu'il y a quelque part, il peut avoir des vrais pères. Cela dit, tu as mis ce cœur de père pour nous qui voulons aller très loin, qui voulons être des instruments efficaces et puissants pour toi, pour détruire les feux des ténèbres. Et je bénis le Seigneur pour cette nouvelle génération qui va le retenir. Je suis libéré. Il y a plusieurs personnes qui vont commencer à visiter par la présence de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui commencent à visiter par la présence de Dieu. Il m'a touché, Jésus. Seigneur, que ton plan parfait se réalise maintenant. Ta gloire, ta gloire. Dis Seigneur, souffle sur ma vie. Souffle. Thank you.